Je vais citer un exemple simple. Cette femme avec qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour elle le mari, c'est un acte d'adoration. Quand elle se soumet à son mari, elle ne voit pas l'homme qui est en face. Mais c'est qu'elle se soumet à l'injonction divine. Elle recherche à travers cette soumission l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle se donne à son mari, elle ne pense pas à son mari, mais elle pense à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de penser à ce mari. Et pour elle, satisfaire son mari relève de la religion. C'est pour ça que ce genre de femme ne saurait se tourner ou alors tourner son dos au mari. Parce que c'est qu'en se comportant de cette façon, il y a une menace terrible qui plane sur elle. Taille. Pourquoi la menace plane sur la femme lorsqu'elle se comporte de cette manière? Tous les hommes le savent. S'il y a un moment où le croyant peut commettre l'adultère, c'est quand il a besoin de sa femme et que sa femme lui tourne le dos. Et si c'est récurrent, ça peut faire tomber cette personne dans la zina. Quand est-ce que ça peut être récurrent? Quand est-ce que ça va être récurrent? C'est quand on n'a pas respecté l'enseignement prophétique et est tombé sur une mauvaise femme. Parce que la croyante, on a compris comment est-ce qu'elle perçoit la chose et pourquoi est-ce qu'elle se soumet et se donne et se livre à son nom. Quand elle crée Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit avoir peur de la malédiction, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors parce que les anges maudissent la femme qui tourne le dos au mari. Ce n'est pas pour rien, il y a être quoi. Et c'est pour ça que nous devons pencher vers les femmes croyantes qui créent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand l'homme est dans cet état, même sans commettre l'adultère, il y pense quand même. Et parfois, parce qu'il faut bien comprendre la perversion, comment est-ce qu'elle s'étend. Parfois, à cause de ce genre de comportement, un homme qui sait lui-même qu'il n'a pas les moyens, mais qui a quand même peur de l'adultère, va épouser une autre femme. Alors qu'au fond de lui-même, il sait qu'il n'a pas les moyens d'entretenir les deux femmes. على أصول السنة والديانة